Steve Lartier-Charler, Lucie Laurier, et bien d'autres encore. Merci à vous tous d'être présents. Les événements qu'on fait depuis un certain temps sont pas juste magnifiques, sont grandioses. Mais ils sont pas grandioses grâce à nous, ils sont grandioses grâce à vous tous ici présents. Donc on est ici aujourd'hui pour faire appel aux forces de l'ordre que personnellement je préfère appeler agents de la paix. Parce que ces gens-là, ce sont aussi des pères, des mères de famille, des parents, des grands-parents. Il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont encore actifs. Mais tous ensemble, si on fait rien, si on n'unit pas nos forces pour vaincre cette situation-là qui est difficile pour tout le monde, ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais c'est ensemble qu'on a de la force et du courage. Puis nous, on a un très grand respect pour ces agents-là qui font leur travail en bonne et due forme. Et ils sont avec nous! Comme ça, ça leur fait du bien. On est avec eux, ils sont avec nous. On fait appel pour unir nos forces puis travailler ensemble. Ah, attendez, attendez un petit peu avant de dire ça. Moi, je trouve ça pas très cohérent de scander liberté aux dirigeants qui semblent pas avoir nos intérêts au centre de leurs priorités. On demande pas la liberté, on est libre! Fait qu'à place de dire liberté, pourquoi on dit pas « On est libre! » Du mouvement citoyen Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. Avec quatre autres membres exécutifs du cœur décisionnel, dont Isabelle Trépanier, Patricia Bax et Frédéric Petre. Alors sans plus tarder, on va ouvrir le bal en appelant sur la scène notre premier orateur. Merci! Je vais prendre mon souffle, là. Je voyais les frissons, ses mollets à Joël, puis je me disais, ouais, il est trip solide, là. Moi aussi, vous me faites vibrer. Écoute, d'une semaine à l'autre, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, c'est multiplié d'attaques sournoises et directes. Nos semaines sont dures. À un point tel que le samedi matin, quand je me lève, je me demande pourquoi je vais remettre encore mes bottes. Aujourd'hui, je le sais que je les ai remis pour vous! Ils diront ce qu'ils voudront sur les réseaux sociaux. Plus on dérange, plus ils nous attaquent, plus ils nous attaquent, plus on dérange, puis on va déranger encore! Là, certains sont rendus à s'attaquer au continent, tu sais. Comme si on avait de quoi à foutre, moi, du continent. Je suis venu ici pour mon contenu puis le vôtre. Ça fait des siècles qu'on est géré par des contenants, pas de contenu. Moi, je me calisse du contenant. Je veux être géré par des contenus qui ont le cœur à votre place. Je trouve ça le fun, finalement, toutes les attaques qu'on a eues cette semaine me donnent le gaz de revenir ici et me donnent le gaz de vous dire ce que j'ai à vous dire. Moi, à chaque fois que je suis pour monter, j'écris jamais mes textes, d'après ce que tu peux voir, là. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé, tu pourrais-tu nous envoyer ton texte qu'on le lise avant que tu viennes? Non.
je pourrais peut-être t'envoyer quelque chose d'écrit, mais c'est peut-être pas ça que je vais dire. Fait que... Moi, je m'en viens ici avec mes trucs, je me blogue avec mon intérieur, puis c'est votre énergie qui m'aide à dire ce que j'ai à dire. Puis je vais continuer de le faire. Aujourd'hui, je trouve ça grandiose. Je vois des drapeaux des Patriotes, des drapeaux du Québec, des drapeaux du Canada, des drapeaux de la Suède, des drapeaux de l'Acadie. Gars, il y a des gens qui sont venus nous voir depuis Toronto. Ils commencent à avoir des liens tissés serrés comme on avait avant. Puis c'est ça qui fait trembler mon fils. Le peuple est en train de s'unir. Puis ça, ça me fait chaud. Ça fait des années que je le crie. Arrêtez de vous diviser. La game, c'est nous contre eux. Puis quand je te dis nous, j'inclus les forces de... Ah, m'a dit comme lui, les agents de la paix aussi. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie, mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus cassé. Ils ont mis des délateurs dans le peuple pour appeler les agents de la paix pour venir mettre le trouble dans nos villages, le trouble dans nos familles. Ils ont divisé les couples, les familles, les villages. Ça, ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. On a toujours été un peuple de tricotés serrés, puis on va devoir leur serrer les mailles encore et encore. Pour ceux qui s'attaquent à notre image, pour le petit pit, tu t'en parles, ça fait 30 ans que je l'ai, puis tout le monde veut la changer, tu sais. Le peuple québécois, c'est des gens instruits, c'est des gens non instruits, c'est des bikers, c'est des gars qui rabattent, c'est des gars qui font du vélo, c'est un mélange. On est un beau peuple de mélanger, puis c'est ça qu'on est en train de rassembler, puis c'est pour ça qu'on dérange, puis c'est pour ça qu'on nous attaque, puis c'est pour ça qu'on va se laisser attaquer. Pour avoir de l'instruction, ça prend des efforts, mais l'intelligence, c'est un don. Rappelez-vous-en et passez le message. Ben moi, ce que je recherche le plus, c'est notre intelligence émotionnelle. En ce moment, on est en train de tisser des liens. Moi, je prends la crise comme une bénédiction, parce qu'on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche de se rassembler de plus en plus. Le nombre grossit tout le temps. On est allé à Ottawa, on était à Québec. C'est la deuxième fois qu'on vient à Montréal. Puis je suis convaincu que ça va continuer de grossir. Parce qu'eux autres, ils oppressent les règles, puis ils nous les rentrent dans la gorge. Puis nous autres, on a plein le cul. Puis on veut se lever, puis on veut vivre libre! Je me suis fait demander il n'y a pas longtemps quand est-ce que je ferais le saut en politique, mais moi je préfère être la roche dans le soulier, comprends-tu? Puis si on pouvait être géré d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, puis retourner faire mes affaires tranquilles. Vous n'avez pas idée ce que ça implique de s'impliquer comme on fait. En fait, vous autres, vous n'avez idée, les autres sont pas là. Hier, on dira ce qu'on voudra quand on se fait attaquer, même si on a l'air de pas le prendre, ça nous brosse quand même, puis on se pose des questions, puis on se remet en question. Hier, je me suis remis en question, puis ce matin, il y a un gars qui m'écrivait avec la larme à l'œil, en me racontant l'expérience qu'il a vécue avec sa fille qui doit rentrer à l'école masquée, puis je trouve qu'il n'y a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on existe. Moi, je vais continuer de prendre vos messengers puis d'essayer de vous redonner de l'espoir. Parce que c'est ça que vous venez me dire quand je viens vous parler. Merci de gueuler, tu nous donnes de l'espoir. Puis moi, je vous remercie parce que vous me donnez de l'énergie pour vous donner de l'espoir. Yeah!
En terminant, j'aimerais ça vous rappeler mes idées. Premièrement, je me fais demander tout le temps à quoi ça sert les rassemblements. Premièrement, ça sert à se rassembler. Ça sert à ressentir la chaleur humaine, la chose qui essaye de couper, les liens qui essayent de couper partout. Ne serait-ce juste que ça, on va avoir gagné un point. Puis même si on gagne pas, moi je vais me coucher avec une conscience tranquille. Peut-être les autres pas. Merci, bonne journée! Et maintenant, la prochaine personne à prendre le micro, c'est une grande dame, une belle dame, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une chanteuse, une comédienne, et surtout, c'est une militante depuis l'âge de sa naissance. J'accueille chaleureusement Lucie Laurier! Parmi vous, je suis fière. Il est important de se rappeler que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Il faut, nous ne sommes pas dans, en quoi nous sommes censés nous soumettre à des directives déshumanisantes qui vraiment viennent complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont prêts de mourir, c'est odieux. Ce n'est plus humain. Je suis pas là pour ma gloire personnelle. Je suis pas là. Je suis pour l'attention, comme on essaye de faire croire. Je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes. Nous sommes le peuple. Nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être avec vous. Je suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas... Le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme. C'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique. OK? On essaye de nous... Il faut arrêter les potins, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison, Joël, quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de... C'est une question de vivre sa vie. Là, vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer des enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privée
si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là. Un enfant, ça témoigne tellement d'expressions, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. Et la liberté, parce que j'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire « Liberté, liberté, liberté », comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean de Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde. C'est-tu clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec des autorités. Nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qu'ils servent. Le peuple. OK? Et les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui, qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grandes multinationales. C'est pas du conspirationnisme. Je suis pas en train de vous parler de la Terre plate. Je suis pas en train de vous parler des reptiliens. Je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gèrent mal toutes les situations de crise. Donc oui, je parle fort, oui, je suis une grande gueule, puis je vais vous dire la vérité, je pense que c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. OK? Nous sommes tous légitimes, tous. Quoi que l'on croit, quoi que... On s'en fout. L'important, c'est que nous avons une valeur. Et ne masquons pas les enfants. Ça, c'est... Nous ne devions... Qu'est-ce si on masque les enfants à l'école? Si on vit une vie avec la distanciation sociale? Si notre gouvernement, nous ment, hein? Le gouvernement, je l'aime. Pas souvent humoriste, mais bon. Quand le gouvernement nous dit 6 mises dans notre chambre à coucher, là, hey! C'est quoi ces pervers? C'est quoi cette perversion? C'est quoi cette affaire-là? Voyons! Débarrasse, ça n'a aucun rapport. On a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer qui on veut. Et moi, je vais vous le dire, ils veulent former des automates. Ils veulent former des employés. Nous ne sommes pas que des employés. On peut être des employés, mais nous ne sommes pas que des employés. OK? On a le droit de vivre notre vie à part entière. On a une vie après le 9 à 5. Les agriculteurs qui... Hey, c'est important, là. Ils vont s'accaparer. Je suis désolée, ils veulent favoriser les gros acteurs efficaces. Allez lire Agenda 21, allez lire Agenda 2030. Allez, ce ne sont pas les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey, je m'excuse, là. Si tu t'empêches de réfléchir parce que tu n'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu t'occupes pas de ta santé parce que tu n'es pas médecin, il y a un problème. Bref, moi, je vous aime. Je trouve que le Québec est beau. J'espère vraiment qu'un jour, on se dirige vers... un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous, c'est pas grave, c'est ça la diversité. Il faut arriver vraiment à la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là, je vous souhaite une belle journée. Bravo! Bravo! OK, il faut regarder l'avion, il paraît. Le bord du building. Et il ne faut pas oublier que le jour, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore demandé aux agents
tu sais, déjà, toute cette histoire de contravention puis d'amende, quand c'est rendu qu'on se fait donner une amende parce que, tu sais, ce fameux couple qui s'est fait donner une amende parce qu'ils se sont retrouvés, le couple de personnes âgées, combien il y en a d'histoires comme ça? Combien il y a d'histoires aussi, parce que, excusez-moi, je suis verrou moteur, mais il y a un point, combien de gens perdent leur emploi parce qu'ils ne veulent pas, ils sont mal à l'aise avec les mesures. C'est très grave, ça veut dire qu'il n'y a que les dociles qui pourront subvenir à leurs besoins, qui vont avoir un emploi. C'est pas comme ça. C'est pas ça la liberté. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous embrasse. J'entendais parler de ceux qui traitent les gens qui réfléchissent et qui se posent des questions de conspirationnistes, de complotistes. Ben, j'aimerais donner une petite leçon d'histoire très rapide aux gens qui utilisent ces termes-là, ne sachant pas l'origine de ces termes-là, d'où ça vient, comment c'est né et quand est-ce que c'est né. Alors, la première fois que le terme complotiste slash conspirationniste a été inventé ou instauré plutôt, c'est à l'époque nazie, entre 1939 et 1945 en Allemagne. Étaient traités les gens de complotistes, conspirationnistes, ceux qui dénonçaient les chambres à gaz d'Hitler. Et là, les médias officiels de l'époque disaient « Ben non, écoutez pas ces gens-là, ouais, on s'en fout, c'est des complotistes, des conspirationnistes. C'est pas des chambres à gaz, ouais, c'est des salles de décontamination, là. Hey, écoutez! » Ensuite, le terme a été repris plus tard par la CIA aux États-Unis pour discréditer les gens qui supposait un possible complot de l'interne dans l'assassinat de JFK. C'est là que ça vient! Et sur ce, j'invite notre prochain orateur à prendre la parole. Ce n'est pas un avocat, mais il est formé tout comme. Il a des grandes connaissances côté constitutionnel, juridique, légal. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jean-François Dubois! Allô tout le monde! Êtes-vous prêts pour un petit cours de droit? La police, êtes-vous prêts pour recevoir une petite formation? On y va! Si nous sommes ici, bon, c'est pour éviter que la police soit débordée d'appels en 911. Parce que si tout le monde appelle, je suis pas sûr que les répartitrices vont trouver ça drôle. Bon, c'est comme si nous appelions la police pour demander secours. Et si aucune réponse n'est donnée, j'ai bien peur que malgré que des juges qui nous écoutent et on prépare des procédures pour la cour, j'ai bien peur que nous soyons fichus. Si la police ne nous écoute pas, on est dans la merde. Que nous soyons pris en otage par un gouvernement qui en réalité ne gouverne plus depuis bientôt 5 mois. Mais qui ordonne sans fondement médical et scientifique fiable, qui ne font qu'ordonner par l'entremise de décrets, violant ainsi l'article 1 de la Charte canadienne qui oblige l'État, lorsque elle suspend des droits et libertés, à justifier dans les faits cette suppression des droits. Ces droits-là nous appartiennent. Comme la Cour suprême a dit en 1951, la Constitution n'appartient pas au Parlement du Canada ni aux législatures des provinces. Elle appartient au pays! There we go, you heard it. Et pour ce qui concerne les faits, tout à l'heure, on va voir notre bon ami Alexis Cossette va venir vous entretenir sur ces questions-là. Je veux encore aujourd'hui rappeler aux policiers, et particulièrement à leurs chefs, qu'ils sont au service de la population générale et qu'ils ont, en vertu de la loi sur la police, chapitre P13.1, annexe A, juré allégeance à l'autorité constituée. Et cette autorité constituée-là, normalement, elle devrait être constituée en vertu de la Constitution, celle de 1867. Et non, ils n'ont pas juré allégeance au docteur Arruda et à François Legault seulement! Ils gouvernent sans l'Assemblée nationale qu'on a élue!
même si l'Assemblée nationale, j'ai des reproches juridiques à lui faire, n'empêche qu'on s'est quand même déplacé pour aller voter pour eux autres. Et là, on les voit pas, l'opposition, on la voit pas. Les députés à l'opposition, même si vous êtes minoritaires, réveillez-vous! Ouais! Ce que je demande à la police aujourd'hui, au nom de tout ce beau monde-là qui est réuni, c'est de former une escouade d'enquête pour vérifier avec impartialité et surtout, sans prévarication judiciaire, si des crimes ont pu être commis par le gouvernement. On ne demande pas l'anarchie, juste une enquête fiable. Une plainte devrait être d'ailleurs déposée sous peu. Notre ami Mario Roy qui a travaillé fort dernièrement pour en monter une. Merci mon chum, il y a 130 signataires, il devrait déposer une copie du document aujourd'hui ici à la Sûreté du Québec. Merci Mario! J'espère que la Sûreté du Québec ne fera pas la même chose qu'ils m'ont fait en 2012 quand j'ai déposé une plainte contre certains juges. Ils n'avaient pas fait enquête. Ils m'ont répondu simplement qu'il n'y avait pas eu de crime. Ils n'ont jamais enquêté, ils n'ont jamais demandé la preuve, ils n'ont rien fait. J'espère que cette fois-ci, avec tout le monde qui va insister aujourd'hui, vous allez faire de quoi? Parce que cette fois-là, mes chers amis policiers, je ne suis pas seul. Et maintenant, de mon côté, et selon l'avis de plusieurs juristes, je crois fermement qu'il y a eu une nuisance publique depuis un bon moment. Au sens de l'article 180.2b du Code criminel canadien, pour les raisons suivantes. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province. Un nouveau ou des nouveaux corps législatifs auraient été créés. Tassez-vous, l'ambulance veut passer. Venez-vous-en vers le terrain ou vers le bâtiment, le bord de la rue. Laissez place à l'ambulance, s'il vous plaît. Beaucoup de policiers sur place, très heureux qu'ils m'entendent. Donc, je reprends. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province. Un nouveau ou des nouveaux corps législatifs auraient été créés en violation de l'article 92 de la loi constitutionnelle 1867. Vous savez, la Cour a dit que le respect de l'article 92 faisait partie des protections auxquelles le peuple pouvait prétendre. Et cette disposition-là a très clairement été violée. Le juge Jean-Guy Boilard, d'ailleurs, nous avait donné raison sur des notes sténographiques. Mais il a refusé de dire oui dans le jugement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cet article 92-là a été violé. En réalité, l'article 92 dit que c'est un pouvoir exclusif à la législature de pouvoir faire des lois. La Cour suprême nous l'a rappelé aussi que c'est seulement la législature de la province qui pouvait faire des lois ou des décrets, par exemple, pour nous imposer leurs règles. Et je peux vous annoncer avec certitude que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la législature de la province qui vous donne des ordres. C'est le Parlement de Québec qui assume les pouvoirs de la législature et ça, c'est illégal! Je demande aux policiers, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez lire l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale. Vous êtes capable de lire le français? Cette disposition-là est tellement claire. Il est mentionné que le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Donc, si le Parlement assume les pouvoirs de la législature, il n'est pas la législature. Ça me paraît clair, bordel. Je veux vous lire un extrait de commission parlementaire. C'est très, très, très important. Laissez-moi me démêler avec mes papiers. Donc, je vais vous donner... Bienvenue! J'y arrive! Écoutez ça, chers policiers, ça c'est une preuve factuelle, vous pouvez pas passer à côté de ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas un seul avocat au Québec qui va venir me dire que je suis un épais parce que je ne suis pas avocat. Ceci date du 16 décembre 1982, soit deux jours avant qu'adopte la loi sur l'Assemblée nationale qui constitue l'organisation du pouvoir législatif et exécutif ici au Québec.
Alors, M. Lalonde, M. le Président, d'ailleurs, M. Lalonde, pour faire une parenthèse, on lui a envoyé des supplénats deux fois pour qu'il témoigne à la cour de ça, et deux fois, les juges ont simplement effacé son supplénat. Ils ont dit, non, il ne témoignera pas, oubliez ça. Alors que, il aurait dû, c'est ça, un procès qui est juste. Donc, on voit que la corruption est aussi dans les tribunaux. Donc, j'y vais avec la lecture de cet extrait de commission parlementaire. Monsieur le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés. Seulement, alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. Monsieur Gay dit 12, parce qu'il a fait une erreur verbale, Monsieur Lalonde, c'est pas grave. Monsieur Lalonde dit, oui, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1-là aura pour effet de corriger. Il parle de l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale qui a été adoptée deux jours plus tard. Le président dit, dois-je comprendre que je dois rayer le nom du député de Vigée comme membre de cette commission? Monsieur Lalonde, non, consentement pour qu'il reste. Il siège illégalement, mais il peut rester pour faire des lois. Donc, j'arrête là, je ne vais pas plus loin, simplement pour vous dire que l'Assemblée nationale, comme c'est bien mentionné, lorsqu'elle a adopté la loi sur l'Assemblée nationale, quand ils ont voté sur son adoption, il siégeait illégalement, bordel! Donc, je ne vais pas vous faire un discours de 4 heures, mais bordel, j'en aurai encore à dire. Vous savez, ce n'est pas seulement ça, hein? Ils ont violé au moins une vingtaine de dispositions faciles de la loi constitutionnelle. Donc le gouvernement ne peut pas venir nous dire « Mettez vos mains, sinon on va vous sacrer ticket. Commencez par respecter le droit, ensuite de ça, ben on verra peut-être! » Je vais reprendre mon cahier. Donc, mes chers policiers, l'article 180.2b du Code criminel, c'est certain qu'il a été violé si on a atteint à l'article 92, et ça a été fait volontairement. Ils en sont conscients, ils le savent. Donc, je vous demande de lever vraiment une escouade d'enquête pour aller enquêter sur la légalité du Parlement de Québec et aussi sur les agissements exagérés de notre gouvernement qui arrête pas de nous imposer des décrets liberticides depuis 5 mois. Chers policiers, mes chers amis, vous devez, par des moyens légaux qui sont à votre disposition, nous aider et aider vos familles, parce que derrière vos uniformes se cachent des pères, des mères d'enfants que vous devez sauver comme j'essaie de sauver les miens. Allons-nous et allez-vous attendre d'être rendu au stade de la Nouvelle-Zélande ou de la Biélorussie? Où les enfants sont arrachés de force à leurs parents sous prétexte d'un virus qui, en réalité, est à peine plus dur qu'une grippe. Si on arrachait mes enfants, ma fille ou mon garçon, pour moi, le monde cesserait de tourner. Alors j'imagine que vous, chers policiers de la Sûreté du Québec et des corps municipaux de partout de la province, vous partagez les mêmes sentiments cruels que moi. J'ai peur et là on vous demande à l'aide, s'il vous plaît, à l'aide, au secours! Merci. Maintenant, je veux dire aux policiers, si vous ne faites rien aujourd'hui, je peux vous affirmer hors de tout doute, je suis désolé d'être sévère avec vous, on vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Je peux vous affirmer hors de tout doute qu'un jour, comme c'est arrivé au procès de Nuremberg, les officiers en autorité, pas seulement nos dirigeants au Parlement, mais les officiers en autorité,
auront des comptes à rendre à la loi et à la justice advenant qu'un gouvernement honnête et respectueux de son peuple reprenne le pouvoir. Alors, si vous ne voulez pas avoir de conséquences juridiques, on ne sait pas dans combien de temps, alors faites votre travail, s'il vous plaît, et cessez d'obéir aux ordres aveuglément! Ce qui me pousse à vous rappeler votre code de déontologie. Et votre code de déontologie vous rappelle que de ne pas faire une enquête complète lorsqu'il y a une plainte, vous êtes en défaut grave. Vous avez une responsabilité civile, chers amis. Alors, je vais vous lire une dernière chose. Je vais reprendre mes feuilles. Alors, j'en ai parlé à Québec, j'en ai parlé à la petite, au petit rassemblement qu'il y avait eu à Montréal. C'est l'arrêt Kossoyan, en réalité. Peut-être que quelques-uns s'en souviennent. Cette décision-là date de 2019. C'est Kossoyan contre la Société de transport de Montréal. En réalité, cette femme-là, elle a décidé de désobéir un jour et de refuser de s'identifier, malgré les ordres du policier, et elle a gagné en Cour suprême. Les policiers, ce jugement-là, j'espère que vous l'avez déjà lu, vous auriez intérêt parce que c'est votre protection, mes chers amis. Si advenant, vous décidez de vous ranger du côté du peuple et d'arrêter d'obéir au docteur Arruda qui écoute l'OMS qui n'a pas été élu du tout par nous. Alors, soyez bien attentifs, mes chers amis, soyez bien attentifs, les policiers qui peuvent entendre. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas m'entendre, mais je sais que vous avez des oreilles comme moi. Donc, écoutez bien. Le paragraphe 58 de la décision date de 2019. Là, je ne vous ramène pas des affaires toutes dépoussiérées. Les citoyens s'attendent avec raison à ce que le policier possède une connaissance et une compréhension adéquate des lois et règlements, qu'il est appelé à faire respecter, ainsi que des limites de son autorité. Donc, le policier doit connaître la Constitution, au moins la Constitution, je ne vous dis pas de connaître toutes les lois, mais au moins la Constitution, c'est elle qui régit votre autorité. Je doute fort que si je demande à un policier, dis-moi donc, c'est quoi l'article 80 de la Constitution 1867 qui me dise, « Oh, je sais c'est quoi, je pense pas, ça serait important que vous le sachiez. » Si un jour je suis élu au Parlement, je ne pense pas de me lancer en politique, vraiment, mais en tout cas, si un jour je suis élu, je vais faire passer un projet de loi certain puis qu'à partir du secondaire 1, tout le monde ait une formation en droit constitutionnel. Parce que c'est le droit, parce que c'est notre méconnaissance du droit qui fait qu'on est dans la merde. Les abus de pouvoir policiers qu'on voit de temps en temps, je ne parle pas de tous les policiers, il y en a beaucoup qui sont gentils, là, qui sont corrects, qui font bien leur job. Mais les abus que les policiers font, ils se font sur le dos de l'ignorance du peuple. Je continue avec la Cour suprême. Le policier ne peut prétendre remplir sa mission, maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements, sans avoir une connaissance et une compréhension adéquate des principes fondamentaux. L'illégalité de sa conduite... Bon, OK, excusez-moi, c'est pas la bonne page, mais c'est un autre paragraphe. Néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique, écoutez bien ça là, néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile. Le policier a l'obligation d'avoir une connaissance et une compréhension adéquate du droit criminel et pénal, des infractions qu'il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Ma voix à part, désolé. Le paragraphe 60. En tant que professionnel chargé de faire respecter la loi, le policier doit être en mesure de faire preuve de jugement quant aux droits applicables. Il ne peut s'en remettre aveuglément aux formations et aux instructions qui lui ont été données, ni suivre machinalement les politiques. Les politiques, virgule, directives et procédures internes ou les pratiques usuelles des policiers.
Donc, même si on te dit d'aller sacrer un amende à quelqu'un qui n'a pas de masque, si tu sais que ça n'a pas de sens selon ta conscience et que tu sais qu'en réalité, les taux de mortalité ne sont pas ceux que le gouvernement tente de nous faire croire, ben, désobéis! Vous ne risquez aucune poursuite! Vous ne risquez aucune poursuite parce que vous êtes appuyé par des précédents de Nuremberg et de la Cour suprême! Vous êtes protégés, messieurs les agents, arrêtons d'avoir peur! De façon analogue, il est bien établi qu'un policier ne peut éviter d'engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu'il ne faisait qu'exécuter un ordre qu'il savait ou devait savoir illégal. Si les policiers avaient une certaine compréhension du droit constitutionnel et qu'ils connaissent... Dans le fond, s'ils sauraient ce qui se trouve dans l'annexe de la loi constitutionnelle, ils verraient, par exemple, que l'article 71 de la loi constitutionnelle 1967 n'a pas été abrogé. Donc, il serait supposé avoir une législature de la province, encore au Québec, qui donne les ordres à la police. Donc, je voudrais bien continuer, là, mais... Je peux pas retenir tout ce beau monde-là au soleil pendant 4 heures non plus. Il y a d'autres personnes intéressantes qui vont passer après moi. Alors, je veux dire aux policiers, vraiment, merci d'avoir écouté, si vous avez écouté. Puis, ayez pas peur, la Cour suprême vous protège! La police avec nous pendant une minute! La police! Avec notre prochain orateur, on va juste faire ramener Jean-François Dubois qui a oublié un point très important. Ça va prendre 10-15-30 secondes. On le laisse parler pour dire le point très important qui n'a pas été dit. Jean-François Dubois, mesdames et messieurs! Je m'en ai pas vous autres. On prend goût à ça, hein? Je vais juste vous lire une disposition du code criminel, mais avant de crier, attendez le clou. L'article 181. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelques intérêts publics. Vous voyez que les gouvernements nous mentent depuis un bon moment? Pourquoi vous pensez? Cette disposition-là, je viens de vous lire, elle n'existe plus depuis l'été 2019! Ils l'ont abrogé! Ils l'ont abrogé curieusement juste avant qu'ils commencent à vomir leur merde! Je voulais que vous le sachiez que le code criminel autorise désormais les médias à mentir pour le bien public! Alors merci de m'avoir écouté encore, je vous aime! Merci beaucoup Jean-François pour cette dernière précision! Et maintenant, on accueille notre prochain orateur qui fait partie de l'organisation l'Alliance citoyenne massive. J'ai pas envie de donner un nom spécifique à ça parce que c'est tout le monde ensemble qu'on fait une différence. Donc, on est ici aujourd'hui pour lancer un appel à l'aide aux agents de la paix. On est ici, on est tous pacifiques. Donc, je voudrais commencer par dire merci à Alexandre qui était censé faire une marche aujourd'hui à partir du parc Émile-Gamelin. Venir ici, il a annulé sa marche et je tiens à lui en remercier. Je pense que c'est la bonne chose qu'il a faite. Merci, Alexandre. Ouais.
Ensuite, oui, il y a des gens qui ont voulu créer de la division dernièrement. Je nommerai pas de nom, mais vous savez de qui je parle. Je trouve ça décevant de voir ça. C'est le temps de s'unir, les gars, là. OK? Donc, je vais commencer par vous lire... c'est pour les agents de la paix, les policiers que je vous lis ça aujourd'hui. C'est le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les responsables de l'application de la loi doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne. Donc, agents de la paix, défendez-nous! Les responsabilités des agents de la paix, le maintien de l'ordre public et la sécurité et la prévention et détection du crime. Nous autres, je pense qu'on a détecté quelque chose. Pourquoi pas vous autres, vous ne l'avez pas détecté? Outre leur devoir de respecter la charte dans le cadre de leurs fonctions, les agents de la paix ont aussi le devoir de prévenir et de protéger le public des violations de leurs droits et libertés. La base qu'ils servent, le public et la Constitution, leur réelle allégeance devrait se situer d'abord et avant tout à ce niveau. Le public vote et met en place un gouvernement qui a le même devoir. Il n'est pas au-dessus du peuple. Le pouvoir appartient toujours au peuple et les piliers légaux suprêmes demeurent la Constitution et la Charte. Quand un gouvernement manque à son devoir envers le peuple, il perd toute dignité, car il rompt son contrat pour lequel il a été élu. Les gouvernements viennent et partent à chaque élection. Mais nous, le peuple, la Constitution ainsi que la Charte, nous sommes là et nous demeurons là. Si le public ne peut compter sur les agents de la paix pour agir quand un gouvernement agit contre l'intérêt du peuple qui l'a élu, sur qui pourrons-nous compter à part nous-mêmes? Je vais poursuivre avec une citation de Edmund Burke. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Je vais le répéter. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Donc, pensez à l'action, agents de la paix. S'il vous plaît, pensez à l'action. Chères sœurs, chers frères, fiers patriotes, nous sommes présentement devant le QG de la SQ aujourd'hui. Suite à l'annonce faite mardi soir avec Alexis Cossette-Trudel, Dan Pilon, Steve l'artiste Charlat et moi-même, nous avons pris cette décision car l'heure est grave, très grave. Policiers, vous êtes des agents de la paix, pas les chiens de garde d'un gouvernement corrompu à la solde d'organisations mondialistes visant à instaurer un monde totalitaire, une dictature dirigée par des psychopathes milliardaires. Nous sommes du même peuple. Policiers, vous avez le devoir moral, voire même la responsabilité de protéger la Constitution et le peuple, pas un gouvernement qui fait de la désobéissance politique envers son peuple. Nous sommes ici présents aujourd'hui. C'est un devoir de citoyen pacifique qu'on fait, nous, ici, pas de la désobéissance civile. Nous demandons aux policiers de faire leur devoir de défendre la Constitution, de défendre la Charte des droits et libertés, puis d'arrêter ces criminels. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, vous tous, les policiers. Je sais très bien que vous faites un travail difficile et même très pénible parfois. C'est grâce à vous que l'ordre social est maintenu. Merci. Aux États-Unis, le peuple américain possède le deuxième amendement pour se protéger face à un gouvernement tyrannique.
Ici, au Canada, nous possédons dans la Charte canadienne des droits et libertés le droit de manifester. C'est un droit fondamental, ça. Donc, pour nous, manifester, c'est notre arme. Je tiens à remercier les policiers qui respectent ce droit-là, car oui, ils le respectent. Depuis le 25 avril, avec Appel à la liberté, on sort, on se rassemble dans la rue, puis on manifeste. Puis depuis le 25 avril, avec Appel à la liberté, on doit avoir fait au moins une trentaine de rassemblements pacifiques, et les policiers l'ont toujours respecté. Je vous en remercie du fond du cœur. Depuis ce jour, depuis le 25 avril, un climat de confiance s'est développé et bâti entre nous. Les policiers ont respecté les citoyens, conscients et soucieux de dénoncer toute cette mascarade en manifestant pacifiquement. Merci encore les policiers. Depuis le 25 avril, j'ai serré des mains, embrassé des femmes puis des enfants. J'ai fait des câlins tellement de fois que je peux même plus les compter. Je suis en pleine santé parce que j'ai un système immunitaire et je suis toujours libre. Et je suis toujours libre car les agents de la paix que l'on peut comparer au système immunitaire de notre société nous ont protégés. Je vous en remercie grandement. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la CAQ a mis les Québécois dans un climat de peur. Ils ont financé les médias à coups de dizaines de millions pour qu'ils fabriquent de la désinformation, pour qu'ils véhiculent un message de peur. Ils ont incité la population à faire de la dénonciation. C'est dégueulasse. Ils ont même incité à la haine. Ils ont falsifié des certificats de décès. Ils ont plongé le Québec dans une crise économique sans précédent. Ils ont causé des traumatismes dans toutes les classes de la population et dans tous les secteurs de la société. Puis tout ça à cause d'une grosse grippe que personne n'aurait vue si les médias n'en auraient pas parlé. Ils n'ont pas le droit de disposer de ma vie comme ça. Ils n'ont pas le droit de disposer de la vie d'un peuple de cette façon. Moi, je ne le permets pas. Et vous? Le 26 juillet dernier, devant le Parlement à Québec, moi, Frédéric Pitre, annonçais que Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique, aussi à titre personnel, en tant que citoyen souverain de ma personne et libre penseur, fondateur du mouvement citoyen pacifique, j'annonçais donc que nous mettions en demeure par huissier le poste du directeur de la santé publique, le poste du ministre de la santé et des services sociaux, ainsi que le poste du premier ministre. Je suis toujours sans réponse de leur part. Je passe donc à l'étape suivante. Ici, aujourd'hui, je les accuse d'avoir mis la population par terre. Je les accuse d'être des traîtres à la nation. Je les accuse de haute trahison. Je les accuse et demande que justice soit faite. Policiers! Faites votre travail, je vous le demande. Le peuple si présent vous le demande. On demande aux policiers de faire leur travail, s'il vous plaît. Faites-le! J'ai quelques documents à vous remettre aujourd'hui avec mon ami Mario Roy. Ils sont ici, les documents. Je vais aller reporter ça à quelqu'un tantôt. Vous trouverez là-dedans une poursuite au criminel dans les documents que nous irons vous remettre dans quelques instants, accompagnés de preuves. Vous trouverez aussi le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Vous trouverez aussi la Constitution canadienne, codification administrative des lois constitutionnelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, les trois copies des mises en demeure que j'ai faites et envoyées par huissier le 27 juillet dernier, accompagnées de la facture du bureau d'huissier. Vous trouverez la loi sur la santé publique, le projet de loi 61 et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Je vais poursuivre en continuant avec un texte qu'une amie m'a écrit. Ça m'a tellement touché qu'il faut que je vous le lise. Merci, Sandra. C'est l'âme en paix que je me présente devant vous aujourd'hui sous une bannière de solidarité avec un drapeau blanc. Je vous parle à vous, et non pas en tant que citoyen, mais en tant que frère, pour vous tendre la main, à vous, hommes et femmes, travaillant avec acharnement à la protection de la population. Depuis l'adoption de la loi de l'état d'urgence adoptée vendredi 13, bizarre vendredi 13, mais bon. Depuis vendredi 13 mars 2020, des ordres qui vont à l'encontre des droits et libertés des citoyens sont donnés par les hauts dirigeants de ce monde en lien avec la crise du COVID. Ceux qui sont au sommet représentent une infime minorité. Ce sont eux qui ont besoin de vous pour faire appliquer leurs nouvelles règles incohérentes et dénuées de sens. Depuis le début de cette lutte qui nous concerne tous, vous vous tenez à nos côtés pour nous supporter dans nos actions. Ensemble, nous avons réussi à créer un lien de confiance dans un respect mutuel. Nous avons compris que nous devions nous allier afin que puisse se réaliser cette quête de liberté. Je sais qu'au fond de mon cœur, vous espérez la même chose que nous, qui ne désire que profondément mettre fin à cette tyrannie. Vous avez vu comme nous les conséquences des décisions dans la société. Je vous parle des victimes qui sont ignorées dans la foule, ces personnes qui souffrent en silence, sans possibilité de s'exprimer, celles qui trop souvent sont oubliées. Comme nous tous, vous avez des familles, des amis, des enfants. Il est maintenant temps de vous questionner sur la position que vous voulez adopter afin de les protéger. Quel avenir voulez-vous aux générations futures de cette nation? Nous savons que cette mascarade n'est en fait rien d'autre qu'une tentative de prise de contrôle politique. Vous le savez tous, comme moi, que le pouvoir que les dirigeants essayent de s'accorder est démesuré. Ces mêmes pouvoirs représentent une telle dangerosité pour le futur. Je vous demande à vous de nous aider. Chacun d'entre vous savez que c'est que d'avoir besoin d'un toit sur la tête, de manger, d'être en sécurité. Les agirs gouvernementales menacent l'équilibre de chaque individu vivant en ces terres. Votre propre sécurité est menacée par la privatisation des corps policiers. Vous aussi, les policiers, vos jobs sont en danger. Hein? Alors, regardez ça aller un peu. Faites vos recherches. Guilbeault veut réformer la loi sur la police. Dans cette réforme, elle inclut d'utiliser des effectifs dans le secteur privé pour effectuer des tâches qui constituent vos emplois. De plus, la technologie tranquillement s'installe pour vous enlever une partie de votre travail. L'homme remplacé par des machines va déshumaniser notre civilisation si nous laissons tout ça se produire. Les personnes âgées dans le CHSLD ne méritaient pas leur sort. Ils ont dévoué toute leur vie pour construire la patrie qui nous appartient aujourd'hui. Puis ils sont morts dans des conditions atroces qu'aucun de nous ne souhaiterons à notre pire ennemi. La loi d'Omerta est omniprésente dans toutes les sphères de cette société. Chaque fois qu'un litige est commis, des âmes droites et vertueuses tentent d'équilibrer la balance de la justice. C'est un combat sans merci contre cette loi du silence. Ce n'est pas normal que ceux qui désirent faire les choses justement finissent immanquablement par se faire désister de leurs fonctions. C'est pas normal. Vous-même, policier, dans le cadre de votre travail, vous devez vous soumettre à vos supérieurs sous peine de congédiement. À quel point sommes-nous libres de nous accorder face à nos valeurs? À quel point sommes-nous libres de faire éclater la vérité?
Les dirigeants n'en ont rien à faire de vous, de moi. Ils ont encore seulement leur propre bénéfice, leur propre pouvoir et leur propre classe sociale. Nous sommes tous responsables de ce qui s'est produit, ce qui se produit en ce moment même ou ce qui va se produire plus tard. Le gouvernement n'a aucunement l'intention de reculer sur les décisions qu'il prenne. Ben moi, je leur dis, vous passerez pas. Ils se servent de la population pour créer une nouvelle normalité que nous ne voulons pas. Une normalité qui déshumanise l'humain dans toute sa nature. C'est dégueulasse. La peur devient source de contrôle dans les mains de ceux qui sont mal intentionnés. Par tout ce qu'ils ont fait subir, les gens créent leurs règles qui sont grandement démesurées. Si nous prenons le temps d'analyser l'ampleur réelle de la situation versus ce qui nous est présenté en boucle dans les médias, la loi et décrets, des lois et des décrets sont adoptés sous l'excuse d'une crise sanitaire. Ça fait pas de sens. Les citoyens se retrouvent dans l'obligation de prendre position pour normaliser leurs voisins, amis et familles. Cela doit cesser. Il n'est plus possible de continuer à vivre dans cette folie. L'emprise gouvernementale s'installe tel un fauve qui joue avec sa proie. Nous sommes rendus au point de rupture de cette crise. Celui qui déterminera si la Charte des droits et libertés sera officiellement abolie pour laisser place à une dictature imposée sous le couvert des autorités sanitaires. La menace est réelle. La population craint pour sa sécurité. La loi sur la santé publique renferme des articles qui placent le gouvernement en position de force sur les citoyens. C'est votre devoir, agent de la paix, de protéger et servir la population devant un ennemi qui menace notre sécurité, notre intégrité et nos droits et libertés. Non. Êtes-vous l'arme au bout de la main de l'ennemi ou bien êtes-vous le bouclier d'un peuple uni? J'espère que vous êtes le bouclier du peuple, agent de la paix. Protégez-nous! Dans l'histoire, trop souvent les forces policières et des armées sont utilisées pour imposer une dictature ou faire régner le communisme, la terreur. Nous voulons éviter la guerre civile. Nous restons pacifiques pour montrer notre bonne volonté. La colère d'un peuple abusé crie sa souffrance pour que puisse être renversé le courant de l'histoire. Jusqu'où allons-nous devoir aller pour faire respecter notre liberté? Moi, je suis prêt à mourir debout. Jamais je ne vais vivre à genoux. Un peuple uni, toujours sert à vainqueur. Merci, les amis. Excuse-moi, Farid, de t'interrompre avant que tu commences. Moi, Mario Roy, on va se diriger vers l'entrée principale du QG de la Sûreté du Québec et on va aller remettre les documents pendant que mon ami Farid et Audrey vont vous présenter quelque chose. Merci. Je vous demanderai de nous laisser passer, s'il vous plaît. Écartez-nous, il faut y aller directement, on est attendu. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci, Fred. Depuis le début de la crise, il y a une seule pensée, une pensée unique. Plus le temps avance, plus on perd nos droits. Aujourd'hui, je parle à la Sûreté du Québec, aux forces de l'ordre, venez nous aider. C'est des êtres humains comme nous. Ils ont des enfants, ils ont des familles.
je parle avec le cœur. Aujourd'hui, je leur demande, et le temps qui s'en vient, parce qu'on n'a plus le temps là, d'appliquer le code moral. J'espère que vous nous écoutez, puis on est avec vous. Il faut qu'on s'unisse ensemble. J'ai une autre nouvelle pour vous. Depuis un bout de temps, on travaille sur un projet. Radio-Canada. Depuis tout le temps, là, il y a une seule pensée. C'est un one way. Mais aujourd'hui, on veut la vérité. La vérité va se déballer dans un débat public. On va l'exiger. On va y aller de force ou de gré, mais on va l'avoir, notre débat. Maintenant, je vais vous laisser Audrey-Anne Hout-Grenier, ma collaboratrice, on a travaillé ensemble sur ce débat. Et aussi grâce au support de Appel à Liberté et des personnes qui nous ont aidés. Merci à vous d'être ici. Alors, depuis les 4 mois d'Action Pacifique Citoyenne que nous avons entrepris, nous avons demandé à avoir la vérité. Nos médias subventionnés ne vont que dans une seule direction. Personne sur leur plateau ne vient remettre en question les informations données par leurs experts. Pire, souvent, ils n'étayent pas leurs informations et n'expliquent pas sur quoi ils se basent. De plus, les scientifiques, les médias alternatifs, les citoyens s'opposant à leur pensée unidirectionnelle sont systématiquement évincés, voire même ridiculisés. Afin d'avoir une opinion plus éclairée sur cette crise sanitaire, le grand public doit pouvoir avoir accès à divers points de vue. Il en va de l'avenir de nos enfants, des aînés et de tous les Québécois. Plus précisément, ce sont 8,4 millions de vies qui sont en jeu présentement. Nous proposons de faire pression en se présentant un minimum d'1 million devant Radio-Canada pour exiger d'eux d'ouvrir un débat public diffusé en direct avec des experts. Un débat, c'est un des fondements de la démocratie. Il est essentiel à notre cause afin que les différents points de vue soient reconnus, entendus et débattus par rapport à cette crise du coronavirus. Un débat public en direct va permettre d'avoir l'avis des différentes sommités dans leur domaine. Il y aura d'un côté les acteurs que nous présentent, les directeurs de la santé publique, et en opposition, nous ferons tout en notre possible pour qu'ils participent au débat. Didier Raoult, Christian Perron, Denis Rancourt. Ainsi que Jean-Jacques Crèvecœur. Ces différents experts pourront débattre de plusieurs sujets comme la distanciation sociale, le port du masque et la vaccination, tout ce qui est capital que nous sachions en ce moment. Et une tribune ouverte sera offerte à l'auditoire afin qu'ils puissent poser leurs questions. Nous vous demandons donc de diffuser l'information de notre projet ainsi que de parler de son importance. Pourquoi Radio-Canada? Parce que Radio-Canada, c'est une société publique. Elle appartient donc au peuple. Et étant dans une société dite démocratique, nous considérons qu'il en revient de leur devoir d'accepter de mettre en place un débat public en direct pour que le peuple ait accès à la vérité. Merci! Avant de vous faire mon discours officiel, on a de la grande visite aujourd'hui. La beauté de cette
pseudo-pandémie, c'est que ça réunit les gens et on est en train de tisser des liens solides avec nos amis canadiens. On a de la belle visite aujourd'hui. We have visitors from Toronto, people who are very active on the web, and they wanted me to know that they like, everybody in Canada like what they see in Quebec. So we are teammates and we have a great annonce to do you. On fait équipe maintenant et on va avoir une grosse annonce à vous faire. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Kelly et Tony. Let's welcome Kelly and Tony, please. Bonjour Montréal! Bonjour Québec! I'm going to speak in English here. I hope I can get a translator. Unless everybody can understand. J'ai essayé de faire un discours aujourd'hui en espérant que quelqu'un de francophone puisse faire la traduction. Quel travail d'équipe! We're here with the Canadian-wide movement called The Line Canada. On est ici avec le mouvement canadien qu'a appelé le Lion Blanc du Canada. For those that haven't seen it, the logo is a letter O with our blood across, which is the line that we draw against oppression. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le logo sur son chandail, c'est un cercle avec une ligne rouge de sang et c'est symbole d'une trace qu'on dit « ça s'arrête là ». We've had protests from BC, Alberta, Manitoba, Toronto, Ottawa, Hamilton, you name it, all the way to PEI, and everybody has been watching what Quebec has been doing. Colin, je pense que finalement, il n'y a pas besoin d'un traducteur, tout le monde a l'air bilingue ici. We were this close to start to lose hope until we saw what you did, and you guys are the only ones that finally got us to move again, and we want to thank you for that. We're here to say that we will not allow any division in our people, we will not allow any sort of division, and we're here to stand together with you and to protest together and to finally get what we deserve is our freedom and our liberty. Liberté! 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 I'm so overwhelmed. I'm so absolutely overwhelmed. All of you. All of you are part of the biggest time of our lives. All of you. Our sovereignty is supposed to be the example across the entire world. It's supposed to be an example of evolution. It's supposed to be an example to our children. And that's what this is really about. It doesn't matter what our differences are. We have one shared obligation. And that is to provide our children with a better world than we were given. This government says that we do not have an identity, but I say they're lying. I say it doesn't matter what they think. It doesn't matter how they try to divide us. We are one nation. We are one sovereign nation. We are one race, and we are one people, and we will win. Right now, across the entire country, we have massive screens in Vancouver,
Calgary, Saskatchewan, and Toronto, they are watching you right now. The people are the power in this country. These are our streets. This is our country. These are our children. They cross the line, and we draw the line. I want to say something to our military and to our police. You have an obligation to serve and protect the people of this country. You became officers for one reason, because of your love for the people. The time has come for you to stand with us. You are supposed to stand against tyranny. You are supposed to protect us and our children. Come on, come on. They cross the line. We draw the line. They cross the line. We cross the line. They cross the line. They will not put masks on my children. They will not oppress my children. I will protect every one of your children. And together, we will win. C'est le moment des photos. Il y a quelque chose de gros qui se passe. J'inviterai Fred Pitt. Ah non, il est parti. Il était mon Fred. Yes. We would like to say to the whole Canada that now we are a team. On va gagner ce combat-là ensemble. Et on a une grosse annonce à vous faire. We have a very big announcement to do. We have discussed together and we will organize the biggest, what? Demonstration of solidarity in Canada forever. It's gonna be very soon. I will let my friend Steve Lartiste-Charmant to confirm you what's going on. On a organisé la plus grosse manifestation qu'il n'y aura jamais eu au Canada. Ça va se passer au Parlement d'Ottawa. We want all the Canadians together. We are a big family and we will win together. On est allé à Ottawa le 1er juillet, on a été accueillis comme des visiteurs. C'était grandiose, on était entre 400 et 500 Québécois qui étaient allés se mêler aux Ontariens. Ça suffit la division entre les anglophones et les francophones. Ça suffit la division dans le peuple. C'est nous contre eux! Cassette Trudel, Fred Pitt, Steve Charlin, Dan Pinon, on est tous à Ottawa le 29 août! Avec Kelly et Tony! On va sûrement monter en convoi, hein, tu veux dire? So, the whole Canada knows that now Quebec is a team with you forever! And they never expected it coming. Je l'ai dit.
dit à Ottawa le 1er juillet, quand les séparatistes vont s'unir aux fédéralistes, on va aller faire trembler la bâtisse! Le 29 août sera le jour qu'on va faire changer les choses. On veut 200 000 personnes! We want and we will have 200,000 people August 29! OK! Alors... Je vous ai préparé un petit quelque chose. Thank you, Kelly. Thank you, everyone. Thank you, Québec. Merci, Québec. Merci, Montréal. I'll see you all in Ottawa. Quoi dire de plus? Québécois, Québécoises. Je vais ajuster le micro. Policiers et policières, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'avoir pris de votre temps pour vous, vos enfants, vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs et surtout nos frères, sœurs, policiers et policières du Québec! Les mondialistes ont bien tissé leur plan. Ils ont pris le contrôle de chaque gouvernement. Ceux-ci ont investi massivement pour contrôler les médias. Ceux-ci manipulent monsieur et madame tout le monde qui leur faisait confiance. Il reste les policiers et ceux qui se sont réveillés! Nous avons décidé de prendre notre sort entre nos mains, de réfléchir par nous-mêmes, de faire des sacrifices en renonçant à des liens d'amitié, plus ou moins nécessaires, disons-le, de faire les moutons noirs dans nos familles, de prendre action, de s'assumer, tout ça dans un but commun, avoir le droit de choisir! Nous sommes devant la plus grosse arnaque que chacun de nous n'avons jamais vue. Nous sommes confrontés à puiser dans nos ressources intérieures comme en aucun temps avant dans notre vie, nous l'avons été. Mais pour la première fois, nous avons l'immense privilège de retrouver aux côtés de nous ceux et celles avec qui nous allons l'emporter! Quelle sorte de vie voulons-nous afficher notre peur inexistante d'un virus manipulé par l'homme, se soumettre, mettre un genou à terre et se cacher le visage comme un muselé, ou faire simplement confiance à la vie qui décide tout, continuer d'apprécier les beaux sourires et vivre dans l'amour et la proximité? Mes chers frères et sœurs, policiers et policières, que pensez-vous de voir vos enfants et vos petits-enfants grandir dans un état totalitaire, masqué, sans identité propre, sous l'emprise de ces mondialistes délirants, des Bill Gates de ce monde, assoiffés de pouvoir et de contrôle, qui exécutent un plan avec comme apport le COVID-19, un des pires mensonges de l'histoire de l'humanité! Ça me touche.
je voudrais vous remercier, vous, de vous être présenté aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tentatives de nous démobiliser, puis vous voilà ici avec nous ensemble. Bravo! Bravo à tout votre courage, tous ceux qui ont été courageux et qui se sont pointés aujourd'hui. Bravo! Au revoir, Alexis! Bravo! Alors, moi, je fais suite à Jean-François. Je suis là ici pour parler un petit peu de faits. Donc, essentiellement, de dire qu'on est en présence d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. On le sait, on a entendu le docteur Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Là. Tu sais, ça sonne scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. Okay. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe. C'est-à-dire compter ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5 000-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique. C'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qu'ils ont changé pour vous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant, on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID, c'est-à-dire tous ceux là, qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, bien, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, une fraude statistique. Il a couvert ses traces, l'hostie. Et ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Donc, aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis, seulement 6% des décès enregistrés, catégorisés comme COVID, sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Comprenez, c'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes, apparemment, là, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, puis là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude! Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas! Le COVID fait pas plus de morts que la grippe. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire « c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID ». Ben voyons donc! Ça fait 3 mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salopards, comme on dit à Radio-Québec. Des mensonges. C'est des mensonges. Ils mentent à la population avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est salopard ou bien crapule. Ouais, assassin aussi, hein. Non, en tout cas, ça restera à éprouver. C'est à la police de faire son travail pour ça.
On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on sait c'est quoi. C'est à, public, c'est à la police à faire ce travail-là. OK? Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures, les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? C'est que non, ça va continuer même après le vaccin. Ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée, piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade. Il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat. Surtout considérant le fait avéré que le virus est 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. Avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous. La police, avec nous, 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 la police. OK. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. Les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de cette fraude statistique-là? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient savoir. Ce sont eux, les enquêteurs chevronnés. C'est pas nous, les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Ouais! Donc la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses qui ont mené à la suspension indue de nos droits et libertés. De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire passer dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leur promesse de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Y a-t-il encore des hommes d'honneur dans la police? On l'espère. Merci beaucoup.
tout le monde pour votre présence. L'événement tire à sa fin. Juste avant qu'on se quitte, j'ai quelques petites annonces à faire. Premièrement, la liberté, ça vient avec des responsabilités. Et nous, on est des gens propres, respectueux et respectables, ça vient ensemble. Et pour ça, je demanderai à tout le monde qui ont des déchets ou qui ont laissé des trucs traîner, juste de vous ramasser, d'avoir la bienséance, de vous ramasser et de rien laisser traîner, s'il vous plaît. Et juste avant qu'on se quitte, merci. Parce que être respecté, ça commence par respecter les autres et son environnement. Aussi par rapport à la rentrée scolaire, un message très 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 important. Le 23 août, il y a un événement qui s'organise. J'en sais pas encore assez pour vous dévoiler les détails, mais ça va être à Québec. Suivez ça sur les réseaux sociaux, suivez ça sur le groupe privé d'Appel à la Liberté Action Citoyenne Pacifique, ainsi que sur la page publique Appel à la Liberté Action Citoyenne Pacifique. On en a deux, un groupe privé et une page. Suivez ça, ça c'est pour les parents qui sont inquiets de la rentrée scolaire et comment leurs enfants vont être traités. On va se rassembler et on va lutter pour que nos enfants soient libres! Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui? Oui, on a aussi un site internet qui est maintenant en ligne qui s'appelle appelalaliberté.com ou appelalaliberté.com, pas d'accent, pas de majuscule, qui est en ligne. Sur ce site-là, vous pouvez trouver dans la section documents les mises en demeure qui sont attitrées au premier ministre du Québec, au directeur public de la santé, au directeur national de la santé publique. Et aussi, on en a fait une pour le ministre de l'Éducation aussi. Yes! Et aussi pour le ministre Guilbeault. En tout cas, tout ça est sur le site internet. Et juste avant qu'on se quitte, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. J'ai été extrêmement ému. Appel à la liberté et l'Alliance citoyenne massive pour nos droits et libertés. Ensemble, on va gagner! Dans les murs, plein de bruit dans la tête pour